How to conjugate all verbs and simple present. Se ou pa ko gade premier video, go straight to watch the first video about useful of present simple. Al gade premier video, pou ka bien comprendre kou sa akwen afè la, sou comment pou utiliser le present simple. But now, comment kapab utiliser le présent simple pour conjuguer tout verbe, whatever verb you need in English, quel que soit verbe ou besoin en anglais. So, let's see. I'm giving you four examples. I choose four verbs. Mwen choisi le verbe to brush. Mwen choisi le verbe to study, étudier. Mwen choisi le verbe to play, to play, to play, to play, jouer. Et mwen choisi le verbe to work. Mwen prononce le comme work. You're gonna see. But this is what you have to know. Mais ça ou doué konnen. Très simple. Pas craser tête ou Chanel ça c'est pour ça là. Don't worry guys. Get a seat. Juste pour un chaise chita. Installé ou. Listen carefully to me guys. You see the first person, the second and the third person. The first, the second, the third person. You know, three persons of singular and three persons of plural. Il y a trois personnes du singulier, un, deux, trois, et trois personnes du pluriel. L'on a conjugué quel que soit verbe en anglais, nous supposons qu'on ait une première personne du singulier, verbe a été comme ça. Deuxième personne singulière, verbe a été comme ça. Pour les trois personnes du pluriel, the three persons of plural, verbe a été comme ça. But I'm talking for the ordinary verbs or for the main verbs. Like the verb to go, tout verbe ordinaire, c'est de yo m'a parlé. M'a parlé de verbe auxiliaire, to be, etc. M'a parlé de verbe ça, parce que y a une propre conjugaison pa yo. But for all the verbs, all the other verbs in English, the first person is always like that. The same for the second, the same for the first person of plural, second person of plural, and the third person of plural. Only for the third person of singular that must be a change. Supposez qu'il y a un changement à la troisième personne du singulier. Et pour comprendre ça, if you understand what I say, it's going to be clear and easy to understand, easy to get. Et pour comprendre ni, ou ap ka ali avem. Konnen la ap conjugué quel que soit verbe au présent, verbe là. Let me give you an example to be clear. For example, this verb is to the infinitive. Verbe ça li à l'infinitif. What is the infinitive? Infinitive is to before, placed before a verb. When a verb has to before it, the verb is to the infinitive. When I take off the to, I have what they call in English, the base form. Base form. The base form. Moi, je vais s'appeler base verbale. Même si on a fait caille, nous fait sol. Mais on a conjugué le verbe là, nous enlever infinitif là, nous venons gagner base là, nous venons gagner forme raffinée. Et puis nous remplacer infinitif là par pronom personnel. Est-ce que, can I say in French, je pensais, penser avec P-E-N-S-E-R? Est-ce que je me dis ça? Non, parce que je dis pas qu'à conjuguer un verbe avec infinitif. But the same, can I say I to brush? No, you cannot say that. M'pa ka di sa. Sa m'ap di. M'ap di I brush. Eh bien, mwen pral ajoute brush here. Brush. Se pa seulement le verbe to brush m'ap conjugué, m'ap conjugué le verbe to study also. M'ap di study. M'ap conjugué le verbe to play. M'ap di play. M'ap conjugué le verbe to work. M'ap di work. I choose these verbs for a sample. Mwen choisi verb sa comme échantillon. Mais li marche pour tout l'autre verbe excepté verbe auxiliaire yo qui c'est to be etc. To have qui gen propre utilisation pa yo. Mwen te di première personne singulière verbe la comme ça base form nan c'est infinitif. Et ceci depuis m'ap conjugué whatever verb and simple present tense. Quel que soit verbe m'ap conjugué nan présent simple, c'est comme ça la pied. The second person m'a prêté verbe yo même j'ai encore. You brush.
moi dit l'aime dit I brush moi mettez study c'est comme si me dit I study moi dit I play moi dit I work et ben me dit you brush you study you play and then you work au lieu pour me dal mettez I brush I study il t'a prend trop de temps mais n'a comprendre ni comme ça good moi quitter troisième personne du singulier because this is a special case c'est un cas très spécial and then now I go straight to the third person three persons of plural let me go with the first person of plural moi dit même bagala brush we brush we study we play and then we work moi fais même bagarre là pour deuxième personne du pluriel là me dit you brush me dit you study me dit you play me dit you work si ou pas connait comment vous utiliser the subject pronouns allez sur channel là ou à joindre vidéo comment pour utiliser les pronoms personnels sujet and then for they moi dit they brush did they study did they play et puis did they work let me show you qui ça va me faire là moi dit quel que soit verbe conjugué and simple present tense m'ba di future, m'ba di conditionnel, m'ba di l'autre. Moi dit simple present tense. Whatever verb that you are conjugating and simple present tense, you must know the first person of singular must be the base form, the second person of singular must be the base form, the three persons of plural, first person of plural must be the base form. The second person of plural must be the base form, and then the third person of plural must be the base form. There must be a change only at the third person of singular. Supposez qu'il y a un changement seulement à la troisième personne du singulier. Quand on ne peut pas dire, on ne peut pas conjuguer n'importe quel verbe. On conjugue ensemble le verbe prier. En anglais, le verbe c'est to pray. How can I? Where can I write it for you? Pray. Pray. All right. Qui ça n'a pas dit là? N'a pas dit, le verbe c'est to pray, n'a pas seulement take off pray to, et bien la vine gen pray, qui c'est base form. N'a pas dit, I pray, you pray, n'a pas quitté ça, parce que c'est lui qui gen changement, nous pral montre l'italien. We pray, you pray, they pray. You see how easy it is? You do not know what the, you don't need to know what the verb means. And then in Creole or in French, ou pa bezwen konn ki sa verbe la vle di en français ou bien en créole pour conjuguer au présent de l'indicatif. It's very simple. Seulement bezwen konnen première personne singulier à deuxième personne singulier puis c'est base form verbe la et la trois personnes du pluriel base form verbe la. Verbe la changer seulement at the third person of singular. Now we're going to see where the changes. Non pour aller côté changement yé. Let's go here. The change is in the third person of singular, not third person of plural. Moi pas dit troisième personne du pluriel. Moi dit troisième personne du singulier. Et troisième personne du singulier, il fait c'est un seul qui gagne plusieurs moun la donne. C'est comme si on maman qui portait deux petites ou bien trois petites dans devant lui. Même Jean Ayla c'est un seul pronom. Eh bien he, she, it là fait partie d'une seule catégorie de pronom qui aurait la troisième personne du singulier. Third person of singular. Qui gen la dan, he, she, it. Mais le m'a parlé, m'a pas utilisé tous les trois en seul coup. C'est soit m'utilisé he ou bien m'utilisé she ou bien m'utilisé it. Mais tous les trois fait partie de catégorie troisième personne du singulier. I hope you understand. Let's go now for third persons of singular. À la troisième personne singulier, nous faisons une vidéo sur pluriel des noms. Même principe ça respecté pour des noms. Mais même principe ça tout respecté pour des verbes. Let's see. Si vous n'avez pas regardé la vidéo sur pluriel des noms, go after this video, go to watch it. Changement à la troisième personne singulière. The change is in three parts. Changement dans trois façons. Il fait dans trois façons.
an ES, an IES, and then an S. Changement fait en ES, en IES, and then an S. OK. Anyway, qui les map connaît, les map parler, c'est ça qui bay gros problème là. Leur parler de you make a mistake. Grammatically make a mistake. Ou pas respecter ton règle dans ça dit. Grammaticalement font erreur. You see. Qui les map mettre ES à la troisième personne dans un verbe? Qui les map mettre IES, qui les map mettre S? We gonna see. Nous pral wè, hein? Est-ce que ça veut dire si m gen I map mettre ES? No, it's not this. Si m gen I verbe la prêté base form. Mais c'est l'aime gain soit he, soit she ou bien soit être placé devant verbe là, li pap même j'ai avec ça. Ça veut dire tout ça identique yo même, mais l'aime rivé là verbe yo a changé, y a pon l'autre forme. Et qui forme y a prend, on va ajouter soit es dans verbe là, soit ies, soit s. Let's start by es. On commence par es. When can I add es at the third person of singular? Third person of singular respect only in simple present tense. Troisième personne singulier ça li respecte seulement dans présent simple. Li pas respecte dans restant yo en anglais. OK? Don't worry for the other tenses. Only for simple present tense. ES. To add ES in a verb at the third person of singular, pour m'ajouter ES à la troisième personne singulier dans un verbe, verbe ça must end by S. Soit S, verbe yo, verbe qui prend ES à la troisième personne, le ou gen yi, chi et devant yo, verbe sa yo doué, soit terminé par S, soit terminé par SH, par CH, par X, par Z, ou par O. Let me give you an example. For example, I have the verb to press. Si ma conjugue le verbe to press, ma dit, I press, you press, yi, chi et la bombe presses. So I'm di he presses. So I'm di she presses. So I'm di it presses. C'est juste exemple ma bao. Ba le contexte utilisation définition press. And ma di repress. You press, they press. Qui sa te ba problème nan? Third person of singular. You fix it. Qui le map konne pou mette S dans un verbe? C'est le verbe la te soit terminé par S, by S, SH, CH, X, Z, and O. Now, you see now, guys, qui ça m'a pas ajouté pour brush? Ça m'a pas ajouté là. M'a pas ajouté ES dans le verbe to brush. M'a dit brushes. Brushes. Good. Est-ce que là, pour qui ça m'a mette ES dans le verbe to brush? C'est parce que le verbe to brush terminé par SH. Si m'gen un pile d'autres exemple, for example, kiss. Si m'di mademoiselle la bezim, she kisses me. Kiss. Kiss. She kisses me. All right. Let me write it right well for you. She kisses me. Mademoiselle la bezim. She kisses me. Parce que kiss terminé par S. The second example. I say fix. Est-ce que fix pas terminé par X? Yes. He fixes. Si m gen fix, c'est pas parce qu'il terminé par X là m va l'ajouter S si m gen I devant, non. Faut qu'il gen I chi et. Premièrement, faut qu'il gen I soit youn nan pronon sa yo et deuxièmement, faut le terminer par youn nan sa yo pour m'ajouter ES là. What about wash? Terminé by SH. She washes. Parce que mesdames yo, si m'a dit maman ou bien madame moi lave, she washes my clothes. Li lave rad moi. Watch. CH. He watches TV. My father watches TV. Si m'gen he, yo remplace le par my father, c'est même bagala. Gardez vidéo sous pronom personnel sujet sous channel là après. He watches TV. My father watches TV. Good. Kounia, ki lèm bral konnen pou mete, ki sa pou mete IES. We're gonna see how to add IES. Comment m'ka mete IES nan yon verbe à la troisième personne du singulier? Parce que sa yo, respect only the third person of singular. I finish with the first one. Mwen fini avec ES. Mwen te apren nou ke
pour un verbe à la troisième personne du singulier, c'est là qu'il y a un changement, pas qu'il y a pire stot changement dans l'autre personne. Il faut que le verbe là est terminé par soit S, S, H, C, H, X, Z, N, O. Laissez-moi ajouter ES. Et ES là prononcé comme IS. C'est ça que fait me dit bois, bois, chez. Good. Now let's go for the second one. The second one. Deuxième nom, verbe là, à la troisième personne du singulier. The third person of singular must terminate by either IES or S. Soit par IES ou bien par S. OK, mais mettez IES parce qu'on a parlé de IES. Let's see. Pour yon verbe prend IES, faut que verbe là termine par Y. OK. Faut que verbe là termine par Y. But it's not only the one reason. C'est pas seulement grande raison ça qu'a fait verbe là. Verbe là qu'a terminé by Y and then it doesn't respect the rule IES. Let's see. Y. Le verbe là terminé par Y, il est capable prendre IES si il respecte the rule, principe là. Mais s'il pas respecte principe là, l'a changé en l'autre bagaille. Let's see. Our verb must be ended by a consonant plus y. Si yon verbe terminé par yon consonne, ça veut dire si yon verbe terminé soit par y, ou ka dit double way, ou ka dit soit verbe là terminé par yon consonne plus y, ou bien on dit soit verbe là terminé par yon par y qui gagne yon consonne devant. Whatever consonant it is. Li pa nécessairement T. It can be whatever consonant. Est-ce que nous parlons une consonne devant Y là? Oui. Li termine par une consonne qui gagne Y devant. Ou du moins, Y là gagne une consonne devant. Eh bien, si verbe ça termine par Y, li gagne une consonne devant, à la troisième personne, when one of them is placed before this verb, there is a change. Gain un changement. Et changement qui ça? You're gonna change the Y by IES for all the verbs which respect this rule. Pour tout verbe qui respecte le principe ça, à la troisième personne singulier, depuis verbe là où terminé par Y et qui gagne une consonne devant, eh bien, ou a changé verbe là en IES qui prononce comme Z. I say I party, you party, he, she, it parties. Bien que nous aimons entourer it parce que c'est pas dans tout contexte. It's not on all context I can use it. Par exemple, si ma, for example, if I say pray, I pray, you pray, he, she. Est-ce que m'a dit it prays? Non, parce que yon oiseau, yon animal pas qu'à prier. But I say he, she, m'a mette it là. Parce que c'est pas dans tout contexte. C'est un contexte. I can use all and there are some contexts I cannot use all. But you see here, I say, I potty, you potty, he, she potties. Okay? We potty, you potty, they potty. That's great. Kounya ki sa, mwen gen deuxième verbe. Deuxième verbe la ki se study. The second verb is to study. To study. But when I have she, la bomb studies. Why? Pour qui ça la bomb studies? C'est parce que non seulement terminé par Y, et deuxièmement, Y là, qu'on consonne devant, laisse-moi changer Y là, la troisième personne, en IES qui bomb son studies. Qui bomb son is. Studies. Ok? Studies. D1 plus I, plus Z. Studies. Good. And here, what should I say? I should say studies, guys. Good. The second rule and the same. Nan même ça. Deuxième règle a dit, if a verb, I'm talking about verb, is ended by a vowel plus y. A veut dire si un verbe terminé par une voyelle plus y. Ou du moins c'est une condition, un verbe terminé par y qui gagne une voyelle devant. Là on a parlé de consonne. Là, on a parlé de voyelle. Whatever vowel it can be. Now I say stay. Ou stay, il y a une voyelle devant. Y, là, il y a une voyelle devant.
But I say he stays. Laisse ça, qui ça me fait, on ajoute S. For whatever verb. Pour quel que soit verbe qui termine par Y et qui a une voyelle devant Y là, eh bien, à la troisième personne singulier, he, she ou bien it, on ajoute S. Ça, c'est une des cas qui a mis S. I say stay, I stay, you stay, he, she, it, stays, we stay, you stay, they stay. The second example is the verb to play. The verb to play, terminé par Y, oui, est-ce qu'elle capte IES ou bien S? Ben, regarde, j'en lié, ligue un voyelle devant. Qui sa règle a te dit? The rule says, as soon as I have a verb which terminate by Y and have a vowel before the Y, we must add S. Nous ajouter S. Nous dit she plays. Mais c'est raison qui fait, moi j'aime bien le verbe to play, le map conjugué, moi dit he, she, it plays. Good. Now for the, I finish with that. Let's go now for the last verb. These are samples. Ça y est, c'est échantillon, ok? Sample, I say sample, you see? Sample. Are samples. Ok? Sorry, these are samples. Ça y est, c'est échantillon. What about this? Et ça, qui ça m'a fait avec? Because I finish with that. I am here. Qui la m'a connu pour mettre S dans yon verbe? Gen deux raisons qui ka fait mettre S dans yon verbe. Soit si verbe la terminé par Y qui gen yon voyelle devant, m'a pas ajouté S. Or, si m'gade mouè verbe la respecté, pas respecté deux principes sa yo. Let me give you an example. For example, I say to talk. To talk. Ok. Est-ce que m'ka mette ES dans to talk? Non, pour qui raison? À la troisième personne. Si me dit she et puis me dit talk. Est-ce que je suis capable de mettre ES? Non, parce que to talk termine par K. K. Mais je te dis pour un verbe prendre ES, il faut terminer par S, SH, CH, Y, O, Z. Ça veut dire pas qu'à prendre ES. Pour un verbe prendre IES, faut que verbe là te terminé par Y et faut gagne yon consonne devant Y là. Est-ce que là? Est-ce que ça fait? Est-ce qu'il terminé par Y? Non. Eh bien, qui ça m'a fait automatiquement moi quel que soit verbe là pas respecter deux principes ça yo, moi ajouter S. Moi dit she talks. Pour quel que soit verbe là. Quel que soit verbe qui pas respecter deux principes ça yo, apprend S. He, she, it. La ban mwen works. Why do I say works? Parce que lèm gade le verbe to work, li termine par K, li pa ka pran ES, li pa ka pran ES, automatiquement I drop. Mwen juste plonge, mwen ajoute S at the end for the third person of singular. I think you're satisfied. Mwen se ke nou satisfè, nap konnen ki lè, se deux principes sa ou beaucoup primordial, more important. Yo plus important et puis est là pas so complicated like that. Thank you for watching the video. Écris down below, write down below and tell me if you're satisfied, if you understand clearly. Écris en bas, commentez, dis-moi si vous comprenez très très bien. Puis gros problème dans cette troisième personne singulier parce qu'il résout là. Thank you so much for watching the video. What you have to do now? Continuez partager. Vous by 10 moun, 15 moun, dis pour vous abonner. Partagez sur Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, likez-le dans groupe yo pour que dans fin mois août ça nous arriver avec 50 000 abonnés. I love you so much, the staff loves you so much. Bye bye for next video. On va regarder une autre vidéo qui va parler de comment nous capable faire une phrase au présent à la forme affirmative, à la forme négative, à la forme interrogative et à la forme interrogative. Stay tuned.